état d'esprit très positif, très excité de commencer cette saison, en plus qu'il puisse être à domicile dans notre salle, donc vraiment une envie de rentrer dans le vif du sujet. De toute façon, c'est sûr qu'ils sont élevés, on a envie de jouer le haut de tableau. Après, on est dans un championnat qui va être très relevé avec beaucoup d'équipes qui ont construit des grosses armadas. Mais en tout cas, on a beaucoup d'ambition et on a envie d'aller le plus loin possible. La préparation s'est bien passée, je pense qu'on a réussi à bien travailler, on a eu aucun problème physique et ça c'est déjà une bonne chose. Je pense que l'équipe a bien avancé, que le projet collectif est en train de se mettre en place. Alors évidemment on n'est pas encore prêt à 100%, c'est sûr. Le but c'est de continuer à progresser tous les jours. Mais en tout cas on a vécu pas mal de scénarios, des scénarios où on a gagné, des scénarios où on a été en difficulté comme le week-end dernier, je pense que c'est important de les vivre. Maintenant voilà, la vérité ça sera les résultats du championnat. Donc, en tout cas, la préparation s'est bien passée et on verra ce qu'il en est samedi. C'est une équipe qui, je pense, a aussi beaucoup d'ambition, qui a recruté des joueurs avec beaucoup d'expérience et beaucoup de vécu. Je pense à Antoine Eto, à Abdoulaye Loum. Et puis une équipe qui a déjà aussi des joueurs qui connaissent bien la division. Donc pour un premier match, c'est pas facile. Ça a été une grosse confrontation pour nous. À part très positivement, et je pense que les joueurs aussi, il faut se servir de cette attente, de cet engouement, d'avoir une salle aussi exceptionnelle et un public qui est derrière nous. Alors, on peut craindre parfois que ça inhibe les joueurs, mais en tout cas, je pense pas. Je pense qu'ils ont très envie de découvrir la salle, découvrir l'engouement, et ça va nous pousser.